Madame, monsieur, bonsoir. Gigafactory, un avenir lumineux se dessine pour l'écosystème des batteries électriques au Maroc. C'est le sujet d'actualité dont tout le monde parle et que nous analysons pour vous ce soir dans Questions d'actu. Avec le lancement officiel hier du projet sino-européen Gotion High-Tech, ça lance une des toutes premières gigafactories dans la région MENA, dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. C'est une révolution industrielle marocaine dans la continuité de celle de l'automobile ou encore de l'aéronautique, avec à la clé 17 000 emplois directs et indirects. Cette nouvelle giga-usine devra permettre de créer une dynamique industrielle, car comme pour l'automobile, un ensemble d'industries devront se greffer à ce géant sino-européen pour lui fournir les composants essentiels à la fabrication de ces fameuses batteries électriques. Dans cette chaîne de valeur, on retrouve les industries de la chimie et de la parachimie dont la maturité permet aujourd'hui d'aspirer à une expansion exponentielle grâce notamment à cette gigafactory, mais elle ne sera pas la seule sur le territoire marocain. Sans nul doute, le Maroc se positionne comme un maillon essentiel dans le marché mondial de cathode. Pour les moins initiés, rassurez-vous, nous vous proposons ce soir un épisode avec tous les éléments pour comprendre comment fonctionne une gigafactory, comment fonctionne son écosystème, l'avantage compétitif du Maroc, ainsi que les perspectives d'évolution d'un marché des batteries électriques, donc les batteries pour les véhicules électriques, un marché qui devra peser, selon les estimations, plus de 400 milliards de dollars d'ici à 2032, soit l'équivalent du PIB d'un pays comme la Hollande ou encore la Malaisie. Pour le débat de ce soir, je reçois sur le plateau de Questions d'actu le directeur des investissements et des exportations de l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, Youssouf Tibal, bonsoir. Bonsoir, ravi d'être là. Tout le plaisir est pour nous et ravi aussi de vous accueillir car vous êtes aussi l'une des chevilles ouvrières de ce deal avec Gotion High-Tech. Donc vous allez nous parler en détail ce soir encore une fois, Marhaba. Nous avons également avec nous depuis Jorf El Asfar pour représenter la Fédération de la Chimie et de la Parachimie, le directeur général des CE Chemicals, Fethi Mourad, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, CE Chemicals qui est un acteur majeur et un acteur centenaire de la chimie au Maroc et qui depuis quelques années s'est diversifié et fabrique désormais des composants de batteries électriques, vous nous en direz plus tout à l'heure. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci. Et nous avons avec nous aussi un académicien qui connaît très bien le géant chinois pour y avoir enseigné, professeur Mohamed Ben Chkron, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre aux questions de Média TV sur cette question cruciale qui concerne les gigafactories. Alors, comme je le disais, il s'agit d'abord de faire de la pédagogie, d'expliquer que c'est qu'une gigafactory. Youssouf Tibal, qu'est-ce que c'est ? Alors, une gigafactory, c'est d'abord une question de technologie, puisque ici, il s'agit de production de batteries pour véhicules électriques. Vous l'avez bien rappelé, c'est un marché en devenir énorme qui concerne une révolution industrielle pour le secteur de l'automobile. Il s'agit aussi, en réalité, de produire des batteries de stockage, donc pour réguler la production d'énergie. Donc la gigafactory marocaine, elle englobe les batteries pour véhicules électriques, donc pour la mobilité électrique, mais également pour le stockage. Et puis, la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet intégré qui va permettre aussi de produire les matériaux actifs qui sont nécessaires à la production de la batterie. Et donc, on parle de cathode, vous l'avez dit, et d'anode, qui sont un peu le plus et le moins de la batterie. Et c'est l'un des avantages de ce projet. Gigafactory, c'est aussi l'envergure du projet, puisque, évidemment, c'est un projet stratégique qui va nécessiter un investissement de près de 14 milliards de dirhams. Donc, c'est très conséquent en termes d'investissement numéraire. Et puis, il va créer un nombre d'emplois aussi conséquent, puisqu'on parle de 17 000 emplois entre les emplois directs et indirects. Donc, vous voyez que tout est giga autour de ce projet. Quand on dit emplois directs et indirects, c'est les emplois que créera ce groupe sino-européen,
et ainsi que toutes les industries qui graviteront autour de cette gigafactory, n'est-ce pas ? Alors, c'est ça les emplois indirects ? Les emplois indirects, c'est les emplois qui vont être liés à l'activité industrielle de ce groupe. Le groupe, directement, va créer 2300 emplois. Voilà. Et quand on parle de 2300 emplois, je me permets de dire et d'insister que c'est des emplois à forte valeur ajoutée, puisqu'il s'agit à 60% à peu près d'ingénieurs et 40% de techniciens. Le reste des emplois, quand on parle d'emplois indirects, c'est bien sûr tous les métiers qui sont liés à la construction de l'usine, à la gestion de l'usine, aux services qui sont autour de l'usine. Et puis, il y a fatalement des emplois induits, qui sont des emplois un peu moins directs, qui sont les services qui peuvent se développer autour d'une activité industrielle naissante. Alors, pourquoi je vous pose la question ? Parce que je voudrais aller encore plus dans le détail. Je me tourne vers Siftri. Alors, vous êtes justement dans cette industrie chimique et parachimique qui est essentielle pour la fabrication des cathodes, anodes et autres électrolytes qui composent ces fameuses batteries. Où pourrait intervenir justement une entreprise marocaine dans cette gigafactory, dans cet écosystème de gigafactory ? Est-ce qu'on peut déjà parler d'un écosystème ? Alors, un écosystème en devenir, en effet, pour la fabrication des éléments dont vient d'exposer M. Tber, il y a des cathodes et des anodes. Et dans le processus de fabrication industrielle, de nombreux produits chimiques sont nécessaires pour avoir ces éléments semi-finis et finis. Et ces produits chimiques, une partie sont déjà fabriqués au Maroc par notre société, mais par d'autres. Je parlerai peut-être après plus largement de la fédération et de ce que peut apporter l'industrie chimique d'une manière générale dans le cadre de cet écosystème. Et c'est certain que ça va être un écosystème qui va être très large, qui vont générer des investissements. Gigafactory, c'est des tailles importantes, donc des capacités installées importantes. Et cela va drainer des investissements importants, des partenariats internationaux également, qui vont permettre justement de répondre aux besoins de ces nouvelles lignes de production. Concrètement, en termes de produits chimiques, on a différentes familles de produits qui sont utilisés, notamment pour les citer l'acide sulfurique. Vous savez que le Maroc est un très gros producteur d'acide sulfurique, avec un des géants mondiaux, le groupe OCP. De la soude caustique, nous en produisons, d'autres industries au Maroc en produisent également, de l'acide chlorhydrique. Donc tous ces produits interviennent dans la fabrication des éléments cathodes pour ces batteries électriques. Justement, parlez-nous davantage de la maturité de ce marché, de cette industrie de la chimie, de la parachimie dans notre pays. Et, en gros, des chiffres. quant à cette industrie-là, pour qu'on ait et que le téléspectateur ait quand même une idée sur les prérequis du fait qu'on reçoive un tel investissement et qu'on puisse attirer un géant de fabrication de ce genre de batterie. Exactement. La Fédération de la Chimie et de la Parachimie, c'est une fédération qui est très dynamique. Elle intègre à peu près 1600 entreprises installées sur le territoire marocain. Ces 1600 entreprises emploient 80 000 personnes. Et dans notre secteur d'activité, dans la chimie et la parachimie, ce sont des emplois de qualification, on va dire, hautement qualifiés. On est dans des secteurs où le niveau d'exigence aux différentes, services ou étapes de nos processus, le niveau d'exigence de la qualification du personnel est assez élevé. Et donc la fédération emploie 80 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires à peu près de 200 milliards de dirhams par an. Et donc, c'est un secteur important au niveau de l'économie marocaine. Combien d'exportations sur ces 200 milliards ? Alors, la fédération, dans son ensemble, exporte à peu près 120 milliards de dirhams. Donc, plus de la moitié est exportée grâce, entre autres, je l'ai cité, au groupe OCP, mais pas uniquement. Nous-mêmes, en tant qu'industriels, nous exportons vers les différents pays d'Afrique occidentale et d'Afrique du Nord différents produits qui sont destinés pour différents secteurs, traitement de l'eau, détergence et d'autres secteurs. Et donc, je disais, c'est une fédération qui englobe des industries qui sont installées au Maroc et qui, comme vous le dites, a acquis une certaine maturité dans les process et dans ses activités. Et je pense que c'est également un des éléments clés
qui a permis d'attirer les investisseurs nouveaux qui s'installent sur ces nouveaux métiers des batteries électriques. Et pas des moindres, bien sûr. Nous allons aussi, donc maturité il y a, est-ce que nous disposons de la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de ces gigafactories ? Nous y reviendrons dans quelques instants. Je me tourne vers Mohamed Benchkhorone. Le contexte mondial aujourd'hui de la batterie, en tout cas des batteries qui servent aux véhicules électriques, je le citais dans mon introduction, les chiffres vraiment sont sur une courbe ascendante, exponentielle même. On table sur un marché à 170 milliards d'ici 2029 et qui va passer à 420 milliards d'ici 2032. Donc vraiment, en trois ans, il va quasiment plus que doubler. Peut-être parlez-nous de ce marché-là et surtout, et vous connaissez bien le marché chinois et l'industrie chinoise, du positionnement de la Chine sur ce marché des batteries électriques. Alors tout d'abord, merci encore une fois pour l'invitation. La Chine, dans son plan Made in China 2025, lorsqu'ils ont voulu effectivement élever leur qualité industrielle, dans le secteur automobile, se sont dit, comme ils étaient très en retard dans l'industrie des voitures thermiques, ils ont mis le paquet sur l'électrique. Alors il y a eu effectivement une période d'essai, une période de recherche et développement, de croissance. Il y a eu des échecs dans leur joint venture. Mais maintenant, ils ont atteint un stade de maturité qui leur ont permis effectivement d'être le leader tant en termes de recherche et développement, d'acquisition de la technologie, que dans leur capacité d'export à des prix extrêmement compétitifs. Et ce n'est pas pour rien que Joe Biden a décidé d'émettre des tarifs à l'import, à 100% des voitures électriques chinoises, parce qu'il y a une menace qui est vraiment, on va pas dire existentielle, mais une menace vraiment réelle sur l'industrie automobile américaine. Donc, dans cette perspective-là, la Chine est dans une contrainte de trouver des alternatives pour trouver comment contourner effectivement ces sanctions. Et le Maroc est une aubaine pour la Chine. Il y a une vraie complémentarité, je l'ai dit à maintes reprises ici dans ce plateau, et cette concrétisation, ce projet-là, est une des belles représentations de la complémentarité sino-marocaine. Que rechercherait justement un investisseur chinois ? Vous qui connaissez bien la culture chinoise, oui, ou en tout cas la culture de l'investissement, de l'entrepreneuriat chinois, que cherche d'abord l'investisseur chinois qu'il a pu trouver au Maroc ? Vous savez, dans la culture chinoise, on est dans une culture sur le long terme. Lorsqu'on s'installe dans un pays, c'est toujours dans une projection au long terme. Et le Maroc, effectivement, a prouvé que c'est un pays qui assure, qui rassure d'un point de vue de sa stabilité politique. Mm-hmm. C'est un pays qui a fait ses preuves dans l'industrie automobile, dans sa qualité de sa main-d'œuvre, dans son rapport qualité-prix. Et aussi, c'est les accords de libre-échange avec l'Union européenne et les États-Unis qui est un atout véritable dans cette collaboration, et je parle sous le contrôle de M. Tsebel, qui est sur le terrain de cette négociation. Et aussi, l'écosystème écologique, à savoir le fait que le Maroc ait investi dans l'éolien et dans le solaire, ont été aussi un atout majeur. Donc c'est une convergence de facteurs, structurelle que conjoncturelle, tant politique qu'économique que géostratégique, qui ont mené vers cette concrétisation. Les Chinois sont extrêmement pragmatiques. Ils sont là dans un rapport d'intérêt économique et commercial. Et le Maroc dispose de ses atouts. Et je trouve que c'est une très belle concrétisation parce que les gigafactories, c'est pas très nombreux en termes de quantité. C'est une première dans la région MENA. En Europe, il y en a très peu. Il y en a peut-être en Hongrie avec Samsung. Il y en a aussi en Pologne, en Allemagne. Et le fait que le Maroc se positionne en abritant une gigafactory, je trouve que c'est une très belle réussite. C'est une réussite d'une stratégie royale, d'une stratégie effectivement qui est visionnaire, d'avoir cru en l'industrie, d'avoir cru au facteur humain et d'avoir cru aussi à la transition énergétique, et je trouve qu'on ne peut que s'en féliciter et je suis extrêmement fier de cette collaboration. Alors vous avez travaillé sur le dossier Youssef Tber, les étapes du processus qui ont mené à la concrétisation, donc hier avec l'annonce officielle du lancement des travaux de cette gigafactory qui va donc s'implanter à Qnetra. Pourquoi Qnetra ? Combien de temps
ont pris les travaux de négociation, j'imagine, et puis surtout, quels sont les atouts, peut-être en information complémentaire, qui ont joué en faveur de l'offre Maroc, alors qu'il y a d'autres offres tout aussi compétitives que le Maroc. Merci pour la question, parce qu'elle est très importante. Effectivement, le domaine des batteries électriques, c'est un domaine très prisé dans le monde. Tout le monde se bat, tous les pays sont à la lutte pour recevoir ce type de projet. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, il y a des projets qui sont implantés aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en Hongrie, c'est vrai, en Espagne. Le Maroc fait partie de ce cercle restreint de pays qui peut accueillir des gigafactories. Et je rejoins tout à fait Sibène Chokrone pour nous féliciter tous ensemble, en tant que citoyens, de cette belle réussite, parce qu'elle témoigne de la confiance d'un investisseur stratégique, d'un investisseur, d'un industriel de renom, d'un acteur mondial, dans la vision royale qu'a eue Sa Majesté pour développer l'écosystème industriel, pour développer un niveau d'infrastructure qui est au meilleur standard international, d'avoir parié sur les énergies renouvelables. Et tout ça, ce sont des paris qui sont payants aujourd'hui et qui nous permettent de nous positionner pour accueillir ces industries qui sont des industries de pointe et qui sont des industries à forte valeur ajoutée. Donc effectivement, vu qu'il y a une compétition internationale pour accueillir ce type de projet, les négociations ont duré un certain nombre de temps, plus d'un an et demi en réalité, entre le moment où l'investisseur s'intéresse au Maroc, au moment où on le rencontre pour la première fois, et au moment où on va signer d'abord un MOU, qui a été signé en présence de M. le chef du gouvernement l'année dernière, et puis le moment où on finalise une convention d'investissement. Je tiens à rappeler pour nos auditeurs que la convention d'investissement, c'est un engagement concret de l'entreprise qui, à compter de la date de signature de cette convention d'investissement, est engagée sur une période, sur une durée, pour réaliser à la fois le projet en termes d'investissement et de création d'emplois et de volume de production. Donc, il a fallu, bien sûr, réunir les conditions de l'implantation de cette usine. Il y a eu des incitations aussi? Est-ce que ça fait partie des conditions réunies? Il y a un cadre, effectivement, qui est prévu pour ça. C'est la loi formant charte de l'investissement, qui prévoit à la fois un dispositif pour les projets communs et puis un dispositif pour les projets stratégiques. Ce projet est éminemment un projet stratégique et il est considéré comme tel. Il y a, bien sûr, un accompagnement de l'État pour inciter le projet à s'implanter au Maroc. On lui offre, au-delà de l'incitation, disons, qui peut être octroyée à ce type de projet, dans le cadre de la charte d'investissement, il y a… – Foncier, ce genre d'incitation. – Il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut réunir, évidemment, pour permettre l'implantation de ce projet. Mais je dirais qu'au-delà de ça, ce qui est important, c'est que le Maroc permet à cette Gigafactory d'être hautement compétitive, parce que les facteurs de production, parce que les ressources humaines qualifiées et formées sont des facteurs incitatifs en eux-mêmes. C'est-à-dire que l'offre Maroc est une offre qui plaît, une offre attrayante, et l'accompagnement de l'État est finalement la cerise sur le gâteau qui permet de convaincre en dernier ressort. Et l'ALE, donc avec l'Union européenne, est-ce que ça n'a pas posé problème, ou c'est pour cela que c'est un groupe sino-européen, comme ça même, par rapport à l'accord de libre-échange avec les Européens, cela ne pourra pas poser problème pour exporter vers l'Europe? Alors, il y a plusieurs choses importantes. Il y a évidemment une compétition, une rivalité parfois entre certains blocs, entre la Chine et les États-Unis. Mais le Maroc est un pays qu'on appelle un pays connecteur. C'est un safe space, si on peut dire, un pays qui permet à ces acteurs-là, qui sont complémentaires et qui ont besoin l'un de l'autre, de se réunir dans un endroit qui leur permette de collaborer. Et donc, le Maroc, il a cet avantage qu'il a des relations excellentes depuis la visite de Sa Majesté et la signature d'un partenariat stratégique avec la Chine, depuis évidemment les relations historiques avec les États-Unis et puis nos accords de libre-échange avec les États-Unis et avec l'Union européenne, qui font qu'on réunit vraiment toutes les conditions pour être une terre d'investissement, une terre d'exportation qui soit compétitive. Donc l'Union européenne, évidemment, c'est le marché le plus important pour les exportations marocaines. Je rappelle que quand même 80% de nos exportations vont vers le marché européen. Et donc, pour nous, c'est un marché naturel vers lequel les productions marocaines vont se tourner. Alors, j'aime bien parce que vous précisez, c'est une production marocaine, c'est pas une production chinoise, même si le groupe est sino-européen. Alors, justement, je voulais revenir à ça également. Pourquoi on dit que c'est un groupe sino-européen? Parce que l'actionnaire de référence de Gotion, c'est le groupe Volkswagen, qui est donc l'actionnaire de référence et qui est fortement impliqué
dans ce projet. Donc c'est une garantie de plus de l'implication d'un groupe mondial allemand qui est aussi un leader dans l'industrie automobile, tout le monde le connaît, et donc qui trouve dans ce projet une compétitivité et une fiabilité de ce projet sur le long terme. Exact. Et juste en parlant de long terme et de batteries électriques, est-ce que leur fabrication sera verte ? Bien sûr, c'est une des conditions qui était posée dès le départ. Et pour la plupart des acteurs dans les batteries, il faut bien sûr s'alimenter en énergie renouvelable. Il faut respecter un certain nombre de conditions pour que le produit final, finalement, respecte les normes de décarbonation et les objectifs de décarbonation de cette industrie. Donc, évidemment, le Maroc, grâce, encore une fois, à la vision royale et grâce au développement des énergies renouvelables entamées il y a plus de 15 ans ou presque 20 ans, nous permet aujourd'hui d'offrir l'accès à cette énergie renouvelable, mais en plus, une énergie qui est disponible, qui est constante et qui est compétitive. Qui est compétitive, disponible. Est-ce qu'elle est aujourd'hui pour des zones industrielles telles que celle de Qnetra ou encore de Tanger ? Est-ce qu'on est prêt à vraiment accompagner les nouvelles normes européennes en termes de taxes carbone et autres ? Est-ce que vous confirmez cela, Youssef Tber, qu'effectivement, les investissements pourront être verts à 100% afin de rester compétitifs, notamment pour le marché européen qui exige que les produits soient fabriqués avec des énergies vertes à 100% ou en tout cas à un taux assez majoritairement vert. Non seulement je le confirme, mais c'est un des arguments forts de l'offre Maroc, c'est-à-dire donner accès justement à cette énergie. Pourquoi ? Parce que le Maroc, il dispose de ressources exceptionnel en termes de vent, en termes de solaire. Et la combinaison des deux fait qu'on peut alimenter les industries avec une énergie qui est majoritairement, voire totalement verte. Donc, c'est le cas pour les gigafactories aujourd'hui. Évidemment, c'est le cas pour les gigafactories. Et puis, le gouvernement est engagé à continuer cette transition énergétique en mettant en place les infrastructures nécessaires et en augmentant progressivement la production d'énergie verte pour alimenter à la fois les industries mais également les foyers et pour permettre d'être justement dans cette trajectoire de durabilité et de compliance avec l'environnement et les enjeux climatiques. Surtout que c'est des industries très énergivores, ces gigafactories. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Ftehi. Donc, vous représentez cette fédération marocaine de la chimie et de la parachimie. Vous accueillez cela avec beaucoup d'optimisme et vous applaudissez, n'est-ce pas, le fait que le Maroc puisse décrocher ce deal avec ce géant sino-européen. L'idée aussi, c'est de s'atteler aux capacités marocaines en termes d'éléments qui composent ces batteries électriques et ces cathodes. Si on pouvait avoir, grâce à vous, une idée sur notre capacité aujourd'hui actuelle et sur celle que nous pourrions éventuellement atteindre grâce à ces gigafactories. Alors en effet, ça fait plus d'une année qu'on discute avec beaucoup d'investisseurs qui, pendant la phase où ils prospectaient le Maroc et avant cette signature, on va dire cette belle réussite, plusieurs acteurs chinois et autres ont prospecté le Maroc et par l'intermédiaire de la Fédération de la Chimie et de la Parachimie se sont intéressés aux capacités, aux possibilités. Alors il y a capacité et savoir-faire, mais il y a également l'aspect RH, c'est-à-dire la qualification de l'ingénieur marocain, du technicien marocain pour pouvoir accueillir ces investissements. Comme on l'a dit en début de réunion, en début d'émission, l'industrie Gigafactory, ce sont des tailles qui sont très considérables. Et je pense que pendant les premières années, le taux d'intégration pour les produits chimiques qui vont participer donc à la fabrication de ces cathodes, le taux d'intégration ne va pas être exceptionnellement élevé. Mais progressivement, investissement. Parce que là, on tape sur un taux d'intégration à 60%, mais ça va être peut-être à terme. Mais disons qu'au démarrage, d'ailleurs le démarrage est prévu pour quand Écoutez, c'est à peu près 2 ans de travaux pour être pleinement opérationnel. Donc, en 2026. En 2026. Très bien, donc je vous laisse finir. Donc pour vous, le taux d'intégration, par exemple en 2027, il serait autour de combien ?
Alors, ça va être difficile de vous donner un chiffre, je vais pouvoir donner des ordres de grandeur. Quand on Oui. dit taux d'intégration, ce qu'on n'a pas cité, c'est que moi j'ai parlé des produits chimiques qui rentrent dans la fabrication de ces cathodes, mais je pense qu'un des éléments clés aussi qui ont intéressé ces investisseurs, ce sont les ressources naturelles que l'on a au Maroc et qui rentrent dans la fabrication Très de bien. ces cathodes. Pour faire simple, il y a deux types de cathodes principalement. Il y a les cathodes LFP et les cathodes NMC, donc lithium, fer, phosphate, et puis nickel, manganèse, cobalt. Et vous savez que le Maroc a des ressources intéressantes sur certains de ces éléments, notamment le cobalt, le phosphate et d'autres. Et je pense que ça va contribuer de manière forte à avoir un taux d'intégration plus large. Pour ce qui est de la Fédération de la chimie et les industriels qui vont participer, j'ai parlé de produits chimiques, mais il y a également des besoins énormes en gaz industriel. Et nous avons des opérateurs nationaux et des multinationales aussi qui vont pouvoir accompagner les besoins en gaz industriel. Je pense à l'azote, à l'oxygène. Au sein de la Fédération, nous avons d'autres producteurs pour ce qui est de la soude caustique et de l'acide chlorhydrique, indépendant de notre société, SE Chemicals. J'ai parlé de l'OCP pour l'acide sulfurique. Ils ont des besoins également en ammoniac. Il y a un grand programme de l'OCP sur l'ammoniac et l'ammoniac vert. Donc c'est toute une série d'éléments qui après constitueront, c'est vrai, un taux d'intégration. Mais moi, je suis convaincu que ce taux d'intégration, à l'instar de ce qui a été fait au niveau de l'automobile et de l'aéronautique, va croître de manière très importante les premières années, parce qu'il y aura évidemment dans cet écosystème et sur toute la chaîne de valeur des investissements importants qui vont se mettre en place pour atteindre des taux d'intégration qui vont dépasser les 60-70%. Et je pense que c'était aussi un argument et un avantage important du Maroc, c'est de pouvoir, en bénéficiant du positionnement géographique qui a été cité, et du fait que le Maroc s'est quand même positionné sur ces deux dernières décennies comme un hub pour l'Afrique et pour le reste du monde en Afrique, en plus de ces éléments, c'est cette capacité justement qui a été démontré notamment dans l'industrie automobile et aéronautique, de pouvoir accueillir de manière efficace, compétitive, ce type d'investissement et ce type de technologie qui reste des technologies, ce sont des batteries à haute performance, des technologies qui sont assez développées. Donc moi, je vois ça au sein de la Fédération et au sein des CE Chemicals comme une réussite importante et comme une opportunité pour l'avenir, pour l'ensemble du tissu industriel marocain. Chimie et autres, chimie principalement parce que les besoins sont importants dans les produits chimiques, mais c'est une opportunité, je pense, d'accélération de nos investissements, de nos capacités, et je pense que le Maroc a tous les atouts pour réussir ce challenge. Exact. D'ailleurs, juste pour rappel, et cela a été annoncé hein, dans les communiqués officiels suite au lancement donc hier de cette Gigafactory, en termes de taille, elle représenterait 5 fois la taille de Renault. C'est dire que cet écosystème, je pense que vraiment en termes déjà de taille, mais aussi de valeur ajoutée, il dépasse de très très loin celui de l'automobile ou encore de l'aéronautique. Mohamed Ben Chkhroun, encore une fois, quand on parle de cette technologie-là, le transfert de technologie est envisageable. Est-ce que peut-être à terme, dans quelques années, 10 ans, 15 ans, on pourrait aspirer aussi à fabriquer, comme aujourd'hui on fabrique des voitures made in Maroc, à fabriquer des batteries électriques made in Maroc, Elles sont déjà. conçues. Voilà, exactement. Le transfert de la technologie devait être normalement l'une des pièces maîtresses de la négociation, parce que l'objectif ultime. C'est quelque chose de commun pour les Chinois de transférer la Ça dépend du technologie? pays qui accueille l'investissement chinois. Tout dépend, c'est du cas par cas, et tout dépend de la capacité du pays à pouvoir effectivement inclure dans la clause des négociations la capacité à avoir une mixité dans les ressources humaines, avoir un transfert de la technologie, d'avoir un département en R&D. Il y a des pays en Afrique qui n'ont pas cette capacité du fait de leur
de leur survie économique acceptent effectivement beaucoup de choses de la part des géants chinois, comme l'insouciance écologique, le fait qu'ils exportent eux-mêmes de la main-d'œuvre chinoise. Je pense qu'au niveau du cas du Maroc, si les négociations ont tenu aussi longtemps, c'est parce que effectivement le Maroc a voulu défendre ses intérêts et être dans une optique long terme. Vous savez, que ce soit la Chine ou le Japon, lors des débuts des années 40, ils étaient le pays qui assemblait l'industrie automobile américaine. Mais c'était une phase de connaissance, c'était une phase d'apprentissage qui les a menés vers l'objectif ultime de développer leur fierté automobile, leur géant automobile, leur nom dans cette industrie. La Chine a fait la même chose dans ses secteurs stratégiques divers, et je pense que le Maroc doit s'acheminer. L'objectif ultime, effectivement, est de pouvoir, via ses implantations d'investissements et d'usines, non seulement qu'il y ait de la création d'emplois, c'est intéressant, mais le plus important est d'acquérir du savoir-faire industriel de ces pays qui nous devancent en termes d'investissement, en termes de connaissances. Bon, cela dit, on n'a rien à leur envier, parce qu'il y a un projet 100% marocain, du UM6P et Innovic, donc un projet porté par un projet pilote NGB Materials de composants LFP. On a quelque chose à leur envier. Et qui ont créé aussi un cluster chimie et matériaux, avec un groupe marocain minier, oui. Sans citer de nom, qui effectivement, on n'a rien à envier, certainement, ils ont plus investi en R&D et cela se comprend. Il est très important, Madame Yersan, d'avoir de l'humilité par rapport à nos atouts. Actuellement, le Maroc est dans une phase d'acquisition et d'attractivité de l'industrie. Nous devons maintenant apprendre et travailler et nous imposer dans ce secteur encore plus. La phase suivante, ça sera la phase ultime, et c'est ce que nous espérons tous, et que l'on puisse avoir du made in Maroc et qui puisse rivaliser, concurrencer effectivement les voitures électriques chinoises. Ce n'est pas une tâche facile, c'est très challengeant, cela exige beaucoup de ressources, mais je crois effectivement en la qualité de nos ressources humaines et de la vision royale. C'est pour ça que cette complémentarité récente, sinon marocaine, elle est maintenant à son niveau fleurissant, mais à terme, sur le long terme, on peut être des concurrents des voitures électriques chinoises, comme c'était le cas entre les États-Unis et la Chine au début des années 2000, et maintenant, ils sont des concurrents dans des secteurs de pointe. Donc je pense qu'on doit avoir cette ambition, et nous sommes un pays avec deux grandes ambitions, et je pense qu'on va y aller à terme, Inch'Allah. Inch'Allah, ce sera quand on parle d'écosystème de Gigafactory, ça veut dire qu'il y aura un écosystème de plusieurs gigafactories au Maroc, Youssef Tebel ? Écoutez, pour le moment, il y a des discussions bien sûr en cours, il y a beaucoup d'intérêt pour le Maroc. De groupes chinois ? De groupes chinois notamment. Pourquoi les groupes chinois ? Vous l'avez rappelé, c'est Bin Shukron, parce que les Chinois sont en avance technologiquement et sont ceux qui dominent le marché de la batterie. Donc naturellement, lorsqu'on parle de batterie électrique, on parle naturellement des leaders mondiaux qui sont des groupes chinois, mais pas uniquement. Je tiens à dire qu'il y a quand même des acteurs européens qui sont également intéressés par des projets de gigafactory. Maintenant, peut-être un mot sur la vision du gouvernement et la vision de l'État par rapport à cette nouvelle filière ou ce nouveau secteur de la mobilité électrique. Ce qui est important d'abord, c'est de constituer une chaîne de valeur intégrale, c'est-à-dire d'avoir des entreprises, des investisseurs, qu'ils soient des investisseurs étrangers, qu'ils soient des investisseurs nationaux, qu'ils soient des joint ventures entre les deux, sur chacun des maillons de la chaîne. Et c'est ce à quoi on travaille pour constituer effectivement cette chaîne de valeur intégrale. Quels sont ces maillons, les principaux maillons de cette chaîne de valeur, Youssef? Alors, ça part de la mine, du minerai, jusqu'au recyclage de la batterie. Et le long de cette chaîne de valeur, il y a bien sûr le raffinage des minerais, il y a ce qu'on a dit, les précurseurs, il y a la cathode, il y a l'anode, il y a ensuite les cellules. Et les cellules, on les rassemble dans des packs qui constituent donc les batteries. Et puis, il y a ensuite le recyclage de ces batteries pour en faire une nouvelle utilisation. Donc chacun de ces maillons, sans bien sûr
parler de, du véhicule électrique lui-même. Et il faut aussi insister sur le fait qu'aujourd'hui au Maroc, on a une industrie automobile. Il y a deux OEM, deux constructeurs qui sont installés, Stellantis et Renault, et que, évidemment, on travaille à ce que la transition de la production marocaine de véhicules puisse se faire aussi avec cet écosystème naissant de la batterie électrique. Il y a d'autres acteurs qui ont été annoncés. Il y a le projet entre CNGR et le MEDA qui va aussi participer à cette chaîne de valeur. Ajor Flasfar. Ajor Flasfar, exactement. Et puis il y a aussi l'acteur BTR qui va s'installer à Tangetech et qui va produire de la cathode. Et puis il y a le groupe Managem qui est aussi en amont dans la valorisation du minerai. Donc vous voyez qu'on est en train petit à petit de constituer intégralement cette chaîne de valeur. Il y a encore d'autres métiers sur lesquels nous travaillons. Et puis... Ça n'aboutit, c'est pas un aboutissement en soi, c'est pas une fin en soi que d'annoncer l'officialisation de l'implantation de Goshen Hightech au Maroc. Je ne réduirai pas quand même cette annonce parce que honnêtement, c'est pas loin de moi. Être... C'est-à-dire, en fait, c'est le début. C'est pas l'aboutissement de plusieurs mois de négociations et de travail. C'est la naissance d'une nouvelle industrie au Maroc. C'est une industrie révolution industrielle. C'est une révolution, en tout cas, de la mobilité. Et puis, c'est une industrie récente. C'est une industrie naissante au Maroc. Et donc, évidemment, il faut l'accompagner. Je tiens quand même à rappeler le côté extraordinaire ou exceptionnel de cet investissement. Et c'est pour ça que j'ai insisté dès le départ pour quand même être... fier de cette réalisation. Donc, c'est un aboutissement en soi, puisque c'est une première gigafactory en Afrique, c'est une première gigafactory dans la région MENA, et donc il faut bien sûr s'en réjouir. Il faut s'en réjouir, et aussi parce qu'elle va permettre à des jeunes d'aspirer à des emplois dans des secteurs à haute valeur ajoutée, des secteurs technologiques dans notre pays. Vous avez parlé tout à l'heure de 2300 directs qui sont hautement qualifiés. Tout à fait. Et qui seront formés au Maroc ? Et qui seront formés au Maroc. Et bien sûr, on a besoin du savoir-faire de l'investisseur, de Goshen, pour former à ces nouveaux métiers que nous n'avons pas encore au Maroc. Mais nous travaillons conjointement avec les instituts de formation, avec l'ANAPEC, évidemment, pour à la fois le recrutement et la formation de ces profils. Évidemment, le choix de Kenitra et de la région de Rabat-Salé a été aussi motivé par le fait qu'il y a un bassin d'emploi et de formation qui puisse répondre à ces besoins importants en termes d'emploi. Notamment cette cité des métiers qui forment justement dans ce genre de métier. Une dernière question, puisque vous avez parlé d'accompagnement sur l'accompagnement. Qu'en est-il de l'accompagnement des investisseurs marocains qui ont l'ambition de s'aligner à ces ambitions du royaume, à ces ambitions de l'État marocain pour accueillir, pour pouvoir avoir la capacité aussi de fournir les éléments nécessaires à ces gigafactories? Est-ce que c'est prévu aussi? Merci pour la question, c'est très important. Parce que nous avons avec nous justement un groupe industriel, j'imagine qu'il y a des industriels qui nous regardent, donc autant adresser la question. C'est essentiel. L'ANDIE, le ministère de l'Investissement, travaille quotidiennement avec les fédérations, et la fédération de la chimie parachimie notamment, pour présenter les opportunités qu'offrent ces nouveaux développements en termes de débouchés, en termes d'opportunités marché pour ces investisseurs nationaux, pour qu'ils puissent se positionner sur ces métiers d'avenir. Par ailleurs, nous constituons, disons, des banques de projets sur lesquelles nous souhaitons mobiliser les acteurs nationaux. Et puis, nous mettons systématiquement en valeur la compétence nationale, les entreprises nationales, pour faire d'entreprises nationales des champions et des leaders dans ces domaines d'expertise et ces domaines industriels. Donc, on a vu certains de ces projets qui se sont faits en joint venture, notamment parce qu'il y a une expertise déjà existante au Maroc, et puis il y a un certain savoir-faire que nous accompagnons en tant que gouvernement pour positionner les entreprises marocaines et qu'elles puissent tirer le plus de dividendes ou de bénéfices de cette dynamique de la mobilité électrique notamment. J'aimerais écouter maintenant l'avis des entreprises marocaines. Mourad Fethi, quels sont les besoins aujourd'hui, les challenges et les besoins surtout des entreprises pour être à même de suivre la cadence, voilà, de ces
de ces géants de la batterie électrique. De la batterie. Je vais rebondir sur deux messages importants qui ont été cités par M. Tuber et aussi Ibn Shkron. D'abord, sur le message dont vous parlez de l'accompagnement de la chaîne de valeur pour l'industriel marocain et pour les investisseurs. La Fédération de la chimie et de la parachimie a organisé il y a moins d'un mois le deuxième forum international dont le thème avait été choisi justement sur l'industrie des batteries à haute performance. Et ça a été une occasion importante où tous les acteurs de cette chaîne de valeur ont pu débattre. On a accueilli des experts internationaux, les industriels marocains étaient présents, évidemment des membres du gouvernement, mais également des présidents d'universités. La partie R&D a été aussi un élément important. Et je pense que ce genre d'événements, qui sont des événements internationaux, permettent de coordonner justement cette création du futur écosystème et de cette chaîne de valeur. Pour l'accompagnement, pour rebondir sur ce que dit M. Tibel par rapport à l'accompagnement de l'industriel marocain, nous avons nous-mêmes, en 2018, signé une convention avec l'État pour un investissement important qui a été fait sur des produits qu'on appelle chloralkali. Et SCE Chemicals, aujourd'hui, produit depuis 2022 trois nouveaux produits importants, dont deux sont, j'allais dire, critiques pour l'industrie des batteries électriques. Et en effet, moi, j'invite tous les industriels à s'intéresser notamment à la nouvelle charte d'investissement qui accompagne l'industriel marocain dans le cadre de ses développements. Et je pense que l'étape suivante, parce qu'on a parlé de l'effet de taille et de l'accélération, l'étape du partenariat international et du co-investissement international va devenir une étape et une exigence pour pouvoir accompagner à la même vitesse le développement de cet écosystème. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est le message d'humilité qu'a cité M. Ben Shkron, et je pense que c'est important, et là-dessus je vous rejoins, Mme Yersen, je pense que ce n'est pas un aboutissement, c'est une très belle réussite et on en est tous fiers, on en est tous fiers, et c'est un aboutissement du processus d'investissement. Mais en réalité, nous, industriels, on voit ça plutôt comme un début. Un début parce qu'il y a des challenges qui sont énormes. Que le Maroc devra affronter. En tant qu'industriel, j'en ai parlé, c'est l'augmentation des capacités de production. C'est un élément qui va être important et je pense que dans le cadre de cet écosystème, parce que l'écosystème qui va se créer autour de la Gigafactory, ce ne sont pas des relations où il y a un grand donneur d'ordre qui est donc ce nouvel opérateur, avec des relations bilatérales et des opérateurs industriels qui gravitent autour. Mais c'est un écosystème qui est beaucoup plus large et qui est transversal, où les liens devront être créés entre ces entreprises qui seront dans la chaîne de valeur globale. Et je pense que ça va créer des partenariats et des investissements nouveaux, parce que nous, en tout cas au sein de la Fédération, on considère réellement ce changement comme une révolution. Certains l'ont comparé même à la révolution industrielle du début du siècle dernier. Je pense que ce qui se passe en termes de mobilité électrique et sur l'aspect énergétique, et sur ces deux volets, le Maroc se positionne bien, c'est une réelle révolution comme on n'en a pas, on en a peut-être une par siècle. Et c'est vrai que la première révolution industrielle, elle était plutôt occidentale. Le Maroc a pu, depuis quelques décennies, diversifier ses partenariats parce que cette nouvelle révolution de cette mobilité électrique, elle est plutôt asiatique et aujourd'hui africaine finalement, puisque le Maroc se positionne en tant qu'acteur important dans ce domaine. Comment on peut envisager justement une coopération avec les pays africains, qui, notamment dans le sourcing, pour upscaler justement ces industries qui accompagnent ces gigafactories, des pays qui disposent des minerais nécessaires? Comment envisager ce triptyque peut-être entre le Maroc, bien sûr les investisseurs étrangers qui y ont élu domicile, et aussi des pays frères en Afrique subsaharienne qui disposent de la ressource naturelle à transformer, mais qui reste sur le continent finalement? Exactement, exactement. Et dans le cadre des relations sud-sud qu'entretient le Maroc avec les pays africains, cette synergie va être de plus en plus prédominante. Nous-mêmes, nous avons lancé un projet, on est en train de construire une usine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un nouvel investissement, c'est en phase de construction. On va démarrer cette nouvelle unité juin 2025, donc dans à peu près une année. Et nous étudions déjà
puisqu'elle va produire aussi, elle avait été faite pour le continent africain, c'est-à-dire la sous-région, mais également compte tenu des opportunités au Maroc, on est en train d'envisager de voir les synergies que l'on va créer entre nos deux filiales, celle qui est installée au Maroc et qui opère, comme vous l'avez dit, depuis à peu près un siècle, et celle future qui sera installée à Abidjan. Et moi, je suis très optimiste par rapport à ces possibilités qu'il pourra y avoir entre les différents pays africains, parce que, comme vous le savez, la grosse partie des ressources, notamment minérales, elle est en Afrique. Je voulais revenir sur la partie des challenges, parce que, comme je le disais, c'est un début. C'est un début pourquoi ? Parce que le Maroc a pu démontrer, et c'est ce qui a permis d'attirer ces investissements, a pu démontrer qu'il constitue une plateforme pour l'avenir, pour la réussite de ce nouvel écosystème. Et ce qu'il reste à faire, ce que l'on va commencer à faire, c'est des challenges dans différents secteurs qui sont importants. La partie industrielle, mais pas que. La partie infrastructure qui devra se développer davantage, notamment la partie chimie, la partie logistique pour les produits chimiques est très, très importante. On a aujourd'hui des capacités portuaires intéressantes, des plateformes industrielles intéressantes sur l'aspect logistique, mais il va falloir développer encore plus. Et puis, on en a parlé, la partie des ressources. Il faut que dès aujourd'hui, les présidents d'université, les instituts, les écoles supérieures s'attellent à revoir et affiner leurs programmes et leurs filières pour pouvoir justement répondre aux besoins futurs, qui sont des besoins très précis, très exigeant. C'est un secteur où le niveau d'exigence pour les produits et donc pour les qualifications des personnes est très, très élevé. Une batterie électrique, vous savez, si elle est mal faite, elle peut exploser, elle peut s'enflammer, et c'est des éléments qui sont… Le niveau d'exigence, de manière générale, dans ce domaine est très élevé. Et on est confiant par rapport à nos capacités, et il faut justement que le système, on va dire éducatif global, accompagne, et puis la partie recherche et développement. Parce que je pense que… À quel niveau futur... À quel niveau la R&D ? Alors, si je prends par exemple le cas du phosphate marocain, oui. Le phosphate marocain est exploité depuis aussi à peu près une centaine d'années, et est exploité pour le phosphate, et c'est-à-dire pour les engrais et l'agriculture. Mais il se fait que le phosphate marocain est riche en plusieurs composants et minéraux qui n'ont pas encore été exploités et dont certains entrent dans la fabrication de ces gigafactories. Il y a des travaux, vous avez cité Innovix, il y a des recherches et l'école UMP6 travaille dessus. Je pense que ça va être bon, à l'échelle UMP6, mais puis à l'échelle industrielle. UMP6P, oui. C'est une source de développement très, très importante pour les futurs métiers de l'extraction des éléments que l'on a dans cette richesse nationale qui est le phosphate marocain. Dernière question, vous êtes industriel dans la chimie, comment assurer une transition vers la chimie verte ? Alors la transition vers la chimie verte, l'industriel marocain l'a entamée déjà presque depuis maintenant deux décennies. En effet, le Maroc a un potentiel d'énergie verte qui est énorme, qu'il soit éolien. On a une le potentiel est là. Je vais vraiment. Le potentiel est là, mais les industriels ont du mal à surfer sur la vague de la transition énergétique. Vous le savez mieux que moi. Il y a eu, c'est vrai, une première phase où les possibilités d'investissement dans l'énergie verte étaient uniquement dédiées pour la haute tension. Et depuis deux décennies maintenant, les gros industriels de la haute tension sont déjà principalement en vert. Que ça soit dans le domaine de la sidérurgie, des gaz industriels, les cimenteries, l'OCP, on a parlé de Managem dans le secteur minier, donc ils sont déjà en vert depuis très longtemps. Il y avait en effet… la moyenne tension Une barrière, exactement. Il y avait une barrière. Il y a beaucoup de changements depuis le début de l'année par rapport à cette barrière, et aujourd'hui je pense qu'il y a une ouverture parce que ça va devenir une nécessité. La moyenne tension aujourd'hui commence à se développer et les premières possibilités apparaissent. Et je pense que quand ça sera réellement mis en place… Avec un cadre légal notamment ? Avec un cadre légal. C'était le cadre légal, en fait. La loi 1309 pour la haute tension, elle existe… Non, je parle de la moyenne tension. Elle fonctionne bien.
Pour la moyenne tension, les dernières déclarations de Madame la ministre sont très optimistes et je pense que cette barrière levée, le tissu économique, parce qu'il faut le reconnaître, il est principalement en moyenne tension, l'ensemble du tissu économique va saisir cette opportunité, que ce soit sur le solaire et l'éolien. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien qu'on s'aligne aux On n'a pas réglementations le et aux choix. normes et aux exigences, Exactement. surtout de l'Union européenne. Un dernier mot, Mohamed Mouskouron, pour clore ce débat. Oui, alors je dirais que ce qui vient de se passer, cette signature, est un bel aboutissement, mais c'est le début d'une nouvelle ère. Vous avez dit, vous avez parlé de révolution, mais je dirais c'est le début d'une nouvelle industrie. Maintenant, il faut faire attention à la menace déjà de l'industrie automobile qui est déjà existante, qui est thermique et qui doit aussi connaître une transition écologique et verte aussi dans ce domaine-là. Et donc, c'est aussi un gros challenge pour les industries qui sont déjà présentes. Et incontestablement, plus un pays se renforce économiquement et plus il renforce sa position géopolitique et géostratégique dans ses combats. Et donc, dans son rapport avec l'Union européenne, il y aura un rééquilibrage dans les rapports de force. Il faut penser aussi à un écosystème panafricain d'ouverture de filiales pour renforcer sa position de leader sur le continent africain. Et je suis plus que convaincu que l'énergie verte, que la batterie électrique, que la voiture électrique seront effectivement à l'avenir, si tout se passe bien, seraient effectivement une technologie de pointe du Maroc qui pourrait effectivement exporter, qui pourrait créer ses leviers internes et qui pourrait être effectivement un des éléments de son export et de son illumination d'un point de vue international. Merci beaucoup. Next step, Youssef Tbel, en un mot. Bah, écoutez, le travail commence pour la réalisation de ce beau projet. Et je voudrais en profiter pour remercier les différents départements ministériels et les organismes qui accompagnent ce projet, parce qu'il y a vraiment une mobilisation importante pour faire de ce projet un vrai succès au Maroc. Et puis, peut-être un dernier mot sur le transfert de technologie, on en a beaucoup parlé. Je tiens à rappeler que, quand même, que dans ce projet, il y a un centre de R&D qui va être réalisé sur le site du projet et que, dans ce sens-là, il y a évidemment un savoir-faire et un transfert, disons, de compétences et de technologies qui va être opéré dans le cadre de ce projet. Environmental friendly, c'est-à-dire qu'il Bien prend en sûr, compte bien aussi sûr. les exigences environnementales. Merci beaucoup, Merci Youssef à vous. Tbel. Je rappelle donc que vous êtes directeur des investissements et des exportations au sein de l'AMDI, de l'Agence marocaine des investissements et de l'export. Merci. Merci à vous. Merci à vous également, Mohamed Merci, Mouskouron. merci infiniment. Et je réitère mes remerciements à mon troisième invité qui nous a rejoint depuis Jorf le Sfar, Mourad Fethi. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous merci ce à vous. soir. Merci, merci à vous. Et bien sûr, nous souhaitons un avenir un peu plus radieux pour cet écosystème des batteries électriques et des véhicules électriques et du Made in Maroc de manière générale. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée. We'll be right back.